Ce que j'aime dans mon métier, c'est que c'est un métier où il n'y a pas de routine et aussi où je rencontre énormément de personnes différentes. Je rencontre aussi des inspecteurs qui viennent de pays complètement différents, avec des cultures différentes. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant de pouvoir échanger avec eux. Mon métier de pharmacien industriel consiste à recevoir les inspecteurs qui viennent des différentes autorités de santé des pays dans lesquels on commercialise nos vaccins. Ils viennent visiter nos usines pour vérifier les bonnes pratiques de fabrication des vaccins et délivrer ensuite des certificats qui permettent à la société de commercialiser ces vaccins dans les différents pays. Dans la chaîne du médicament, je me situe à l'étape de production en fait, du médicament, puis également à l'étape d'enregistrement lorsqu'on a un nouveau médicament, un nouveau procédé ou un nouveau bâtiment qu'on doit enregistrer auprès des autorités de santé. Je pense aux patients lorsque je travaille, mais je ne suis jamais confronté aux patients. Tout mon métier est orienté pour que la qualité du produit soit assurée et pour qu'on respecte bien toutes les étapes de fabrication correctement. L'industrie pharmaceutique, c'est une voie qui est vraiment très intéressante avec des métiers très différents et je pense que c'est aussi un secteur qui est très dynamique, un secteur d'avenir. Une anecdote intéressante, on travaille dans une société qui commercialise des vaccins dans le monde entier et c'est vrai qu'en fonction des cultures, on doit potentiellement adapter nos procédés et on a eu le cas de figure où on nous a demandé s'il restait des traces de porc dans nos vaccins et c'est vrai qu'on ne dose pas ces résidus-là, donc on a eu quelques difficultés à démontrer qu'il n'y avait plus de traces de porc dans ces vaccins-là, oui. Les qualités principales pour exercer le métier de pharmacien industriel sont une forte autonomie, beaucoup de rigueur, du dynamisme, une envie d'aller de l'avant parce que ce sont des structures des fois qui sont un petit peu difficiles au vu de la réglementation à faire bouger, et de parler anglais. On travaille pour une société qui est multinationale, donc tous les rapports sont en anglais, les procédures sont en anglais, nos clients parlent anglais également, donc vraiment c'est très très important. Le métier de pharmacien industriel va se différencier des autres métiers de la pharmacie par sa polyvalence, son autonomie au sein d'une entreprise, mais également le fait que vous ne travaillez pas directement au contact du patient, mais pour une société, ce qui change quand même considérablement votre façon de travailler. J'ai pris la décision d'être pharmacien industriel dès le début, en fait, dès le départ. Je savais que cette filière existait et c'est vrai que j'étais très orienté, on va dire, industrie plus privée. Et puis vers un métier qui me paraissait moins routinier.